Donc Blaise Killian, co-directeur du musée de l'économie et de la monnaie, qu'on appelle communément le musée Sosoro. 24 ans de carrière au Cambodge, dans différents lieux, tous très intéressants, mais depuis octobre 2020, au musée de l'économie et de la monnaie, qui pour moi a un intérêt particulier pour différentes raisons, parce qu'il y a la croisée des chemins de tout ce que j'ai fait jusqu'à présent, parce qu'aussi c'est une institution d'État, ce qui pour moi est une source de fierté particulière, ayant aussi la nationalité cambodgienne. Le musée de l'économie et de la monnaie, le musée Perse et San Warman de l'économie et de la monnaie, qu'on appelle communément Sosoro, est un musée qui a été fondé et qui est entièrement financé par la Banque nationale du Cambodge. Mais c'est un musée qui n'est pas comme les autres musées de banque centrale, si je puis dire, parce qu'il a une approche historique. C'est-à-dire que c'est sans doute le seul endroit du pays où on a 2000 ans de l'histoire du Cambodge qui est résumé à travers l'angle économique, monétaire et commercial. Et surtout, nous montrons dans ce musée les interactions qui existent entre les changements politiques, sociaux, économiques, monétaires et commerciaux à travers l'histoire. Donc ça en fait un musée extrêmement intéressant. C'est aussi un musée très moderne et interactif et qui s'adresse à tout le monde, à toute personne qui aurait un intérêt pour le Cambodge, pour son histoire, pour son économie, pour sa monnaie, pour son passé, pour son présent et peut-être aussi pour son futur, parce que lorsqu'on connaît bien le passé, on peut comprendre le présent et on peut avoir une certaine vision de ce qui sera l'avenir. Alors, ce musée a la possibilité d'offrir des expositions temporaires aux visiteurs et donc depuis octobre 2022, nous avons présenté ici une exposition temporaire sur le voyage du roi Sisowat en France en 1906. Donc ça va faire 9 mois et l'exposition a déjà été prolongée de 3 mois et nous allons clore cette exposition au 31 juillet de cette année. Et donc pour les derniers jours qui restent, j'ai pensé qu'il était intéressant de pouvoir représenter cette exposition grâce à Cambodge Mag. Et c'est un événement historique très intéressant, la visite du roi Sisowat en France en 1906, parce que c'était la première fois qu'un roi du Cambodge voyager en Occident, en France en particulier, mais en Occident. Et donc, c'est une visite qui, par son immense succès médiatique, populaire, politique et diplomatique, a permis de projeter le Cambodge sur la scène internationale de façon extrêmement positive. Et puis, c'est aussi la première fois que le Ballet Royal du Cambodge, accompagnant le souverain, s'est présenté à un public étranger et profane. Et donc, ça a aussi contribué à faire connaître ce Ballet Royal. Et c'est le début de la reconnaissance du Ballet Royal comme une forme de patrimoine culturel immatériel qui recevra la consécration un siècle plus tard en étant inscrite par le Cambodge souverain indépendant sur la liste de l'UNESCO. Donc voilà le roi Sisowat qui a régné sur le Cambodge de 1904 à 1927 et qui a entrepris ce voyage vers la France à sa demande. D'ailleurs, c'est lui qui voulait découvrir la France en 1906. Alors qu'il était déjà pourtant âgé de plus de 60 ans, donc à l'époque en 1906 au Cambodge, c'est un très grand âge, mais ce roi était un ancien militaire, donc un homme courageux physiquement et mentalement d'ailleurs, et donc il a souhaité faire ce voyage vers la France, qui comprendra plusieurs semaines de trajet en bateau, et ensuite un séjour de 5 semaines en France. Donc ce que nous avons ici, c'est la carte du voyage en bateau du roi Sisowat et de sa suite. Le roi quitte Saïgon, il rejoint Saïgon en voiture, à l'époque Saïgon, aujourd'hui Ho Chi Minh. Il quitte Saïgon, il passe par Singapour, il s'arrête à Colombo où il va admirer la dent du Bouddha, visite éminemment symbolique pour un roi bouddhiste du petit véhicule de l'époque. Et puis il continue son voyage à travers la route habituelle pour débarquer à Marseille. Et nous avons ici la représentation du bateau. C'est vraiment le bateau qu'a pris le roi Sisowat, amiral de Kersin, sur lequel il a embarqué pendant plusieurs semaines. Et puis, lorsque le roi arrive à Marseille, c'est immédiatement un grand succès par ses qualités diplomatiques et parce qu'il a pris certaines décisions que les visiteurs pourront découvrir en venant visiter l'exposition, mais aussi parce que ce personnage est toujours majestueux, toujours sympathique, certainement aussi très exotique aux yeux des Français, mais qu'il a aussi d'excellentes compétences, non seulement diplomatiques, mais une véritable chaleur humaine qui se dégage du souverain et qui va, d'une certaine manière, conquérir le cœur des Français. Et c'est pour ça qu'on parle ici d'une Sisowat mania, parce qu'à partir du moment où il posera le pied en France jusqu'à son départ et au-delà, le roi Sisowat va faire la une de tous les journaux de France et de Navarre au quotidien. Le roi va visiter la fameuse exposition coloniale
de Marseille, qui est aussi présentée au public en 1906. Alors bien sûr, c'est une exposition coloniale, la France veut vanter ses possessions coloniales, mais c'est aussi l'opportunité de montrer les cultures lointaines et les civilisations lointaines au peuple français. Et cette exposition aura un succès phénoménal, puisque je crois qu'à l'époque, la France a peut-être 40 millions d'habitants et plus de 2 millions de personnes viendront visiter cette exposition coloniale à Marseille. Nous avons dans l'exposition des vidéos extrêmement intéressantes. L'exposition a été conçue par Jean-Daniel Garder, qui est son commissaire général, et pour commissaire scientifique, le professeur Olivier de Bernon de l'École française d'Extrême-Orient. Et donc le professeur de Bernon a accepté de s'exprimer dans des entretiens que nous avons réalisés ici, où on a des images d'archives et le professeur qui apparaît. Et donc le professeur de Bernon commente les raisons, les conséquences, les événements importants, les anecdotes qui ont fait de cette visite un événement historique si marquant et un si grand succès. Donc nous avons plusieurs vidéos, 4 ou 5 vidéos, où le professeur s'exprime et commente la visite. Ici, on a des panneaux aussi très intéressants. Le roi qui s'intéressait beaucoup à la chose militaire, puisqu'il avait combattu aux côtés des Français pour protéger le trône de son frère, le roi Norodom, le roi avait demandé qu'on lui organise des manœuvres militaires, et notamment, c'est ce qui va se passer dans la ville de Nancy, où se rendra le roi. Et à Nancy, l'accueil qui est réservé au roi est absolument extraordinaire. Donc cette immense photo ici, on voit la foule française qui, en pleine Troisième République, vient accueillir le roi du Cambodge et crie « Vive le roi, vive le roi !» pour saluer le souverain Khmer qui se rend à Nancy. Et partout où le roi ira, au fur et à mesure que les jours passent, l'accueil est de plus en plus massif et de plus en plus extraordinaire. Et s'il est vrai que beaucoup de chefs d'État se sont rendus en France à l'époque, aucun d'entre eux n'a reçu un accueil aussi chaleureux de la part des dirigeants, mais aussi de la part du peuple français, que le roi s'y sauvait lui-même. Et ça, c'est dû à ses grandes compétences diplomatiques et à ses grandes qualités humaines. Nous avons ici d'autres images, on voit notamment des coupures de presse, pas seulement françaises, mais aussi ici allemandes. Donc là, on a un extrait du journal allemand, on a retrouvé dans les archives des journaux allemands, des journaux anglais qui parlent de la visite. Ce qui est intéressant de savoir, c'est que tout ce que nous présentons dans cette exposition est le résultat de recherches qui ont eu lieu dans les archives françaises, les archives nationales, la presse. Aussi beaucoup de cartes postales, on a reçu un don considérable de la fondation Klaus Hattemaye qui nous a donné plus de 1000 cartes postales anciennes, parmi lesquelles plusieurs qui concernent la visite du roi Sisavat en France que nous avons utilisées pour l'exposition. Donc la seule source en khmer précise et détaillée relatant le voyage du roi Sisavat qui existe, c'est le récit rédigé par Lokmanya Viangtyoon, ministre du roi Sisavat de l'époque, de ce voyage. Et c'est un texte très intéressant, qui a été traduit en français par le professeur Olivier de Berlon d'ailleurs, et publié en 2006 aux éditions Mercure de France. Mais récemment, à l'occasion de cette exposition, la Banque nationale du Cambodge a republié le récit en khmer dans une orthographe moderne compréhensible par les générations actuelles pour le rendre disponible au public. Et donc, cet ouvrage est disponible au musée également. Nous continuons la visite rapide, l'aperçu. Le roi s'est aussi rendu à Fontainebleau, toujours dans ce souci de comprendre le fonctionnement de l'armée française et d'essayer sans doute de s'inspirer de sa modernité, de sa technologie pour peut-être moderniser une armée nationale khmer. Nous présentons aussi beaucoup d'extraits de journaux, des couvertures, des coupures de journaux. Ce sont des documents originaux. Donc là, on a la couverture d'un fameux quotidien de l'époque qui est reproduite ici. On voit le roi Sisavat qui passe devant le fameux Opéra de Paris. Et puis, dans la section suivante, on parle du ballet royal. Pourquoi le ballet royal? Parce que lorsque le roi Sisavat se rend en France, il est accompagné du ballet royal. Et c'est la première fois que le ballet royal va accompagner le roi à l'étranger aussi loin et va être, d'une certaine manière, autorisé par le souverain à se produire, non pas dans le cadre d'un rituel au sein du palais, mais pour un public qui est à la fois un public profane et étranger. Et donc, c'est le début de la reconnaissance du ballet royal comme une forme de patrimoine immatériel culturel, comme un art de la scène en France à cette époque-là, sur la scène internationale. Et effectivement, les représentations du ballet royal vont avoir un impact profond sur la perception du Cambodge par le public français. Et bien sûr, le fameux Rodin, c'est une chose qui est très connue, mais le fameux Rodin va être fasciné par les danseuses khmer. Il va les suivre jusqu'à Marseille avant qu'elles ne rembarquent pour le Cambodge, et il va dessiner ces fameux croquis des danseuses du ballet royal khmer. Ici, on a une très belle photo de Rodin en train de dessiner les danseuses du ballet royal. On a aussi une belle reproduction là d'une photo du ballet royal se produisant dans les jardins du palais de l'Élysée.
parce que le roi Sisovat, souhaitant remercier ses hôtes, autorise le ballet royal à se produire dans les jardins de l'Élysée. Et donc le ballet royal, pour la première fois, danse pour un public occidental et pas dans le cadre d'un rite au sein du palais royal. On montre aussi à quel point le roi Sisovat s'est rendu populaire par sa personnalité, comme je l'ai dit et répété, parce que c'est vraiment un élément marquant de cette visite. Et donc ici, on a l'extrait d'une chanson populaire qui a été composée à l'époque pour dire à quel point le roi Sisovat était quelqu'un d'extraordinaire aux yeux des Français. C'est une chanson populaire qui a été chantée. On a aussi appris que Cocteau avait écrit une pièce sur le roi Sisovat, Sisovat en balade. Donc on voit que la visite a un impact populaire, un impact culturel, au-delà de l'impact diplomatique et politique qui était celui qu'elle devait avoir. Et pour ceux d'entre vous qui viendront, vous pourrez même entendre le professeur de Bernon fredonner cette chanson sur l'air d'une chanson très populaire de l'époque. La partie suivante nous donne le contexte géopolitique de la visite du roi Sisovat en France, qui se déroule un petit peu dans les derniers moments du long processus de rétrocession des provinces de Siem Reap et de Battambang au Cambodge. La France, après, pendant plusieurs décennies, ne pas s'y être intéressée, après qu'il y ait eu des tergiversations, notamment de la part du ministère des Affaires étrangères, la France finalement comprend l'intérêt qu'il y aurait à récupérer ces provinces pour le pays protégé et pour le protecteur. Et les relations de confiance qui existaient entre le roi Sisovat et les Français ont sans doute contribué à faciliter cette ultime étape du processus qui a permis la rétrocession des provinces au Cambodge en 1907, qui est commémorée par le fameux monument que tout le monde peut voir au Wat Nom aujourd'hui. Continuons la visite. Bien sûr, nous exposons aussi des pièces et des médailles commémoratives. Donc ici, on a des médailles de l'époque du roi Sisovat qui sont présentées ici. Et puis on a surtout cette très belle médaille commémorative qui a été émise par la monnaie de Paris que le roi Sisovat a visitée. Et donc cette pièce qui était faite en argent, il y a eu des exemplaires en bronze et en argent, cette pièce est unique puisque c'est une très belle médaille commémorative qui salue la visite du roi Sisovat en France, avec d'un côté le profil de la monnaie de Paris, comme sur toutes les médailles commémoratives de la monnaie de Paris, et de l'autre, la phrase marquant la visite du roi en 1906. Nous parlons aussi des principaux protagonistes du voyage, côté français bien sûr, et côté cambodgien, avec ces grands mandarins, si on peut dire, ces grands ministres khmers qui ont marqué leur époque aussi, qui accompagnaient le roi, qui ont eu des rôles influents sous plusieurs règnes, souvent sous Sisovat et Norodom et même au-delà. Et bien sûr, le fameux Veang Thun, ce ministre lettré, qui parlait aussi bien le français que le siamois, que le khmer, qui a rédigé ce fameux texte sur la visite du roi Sisovat et qui continuera à être influent jusqu'au début du règne du roi Sihanouk. Nous avons ici un extrait de son texte et puis une carte postale sympathique signée par le ministre du Palais qui encourage celui qui à l'époque n'était encore que le jeune prince Monivong, futur roi Monivong, à poursuivre ses études à l'école militaire de Saint-Maxent puisqu'il était resté en France après le départ de son père, poursuivre des études à l'école militaire de Saint-Maxent, l'école d'officier. Une très belle photo ici qui est un peu anachronique parce qu'elle date de 1925 ou 1926. C'est peut-être la dernière photo du roi Sisovat vivante, dont on est connaissance en tout cas, et on voit à quel point le souverain est arrivé vraiment au sommet de sa carrière, si on peut dire. Il est serein, il regarde à l'horizon, il mourra un ou deux ans après. Et puis là, on a le prince Monivong, qui lui succédera bientôt comme roi Monivong. Et donc c'est une très belle photo, où, même si la monarchie cambodgienne, bien sûr, est élective. Le prince Monivong n'avait pas été encore choisi parmi les autres princes pour être le roi du Cambodge. Mais on sent qu'il y a un passage de témoin et peut-être aussi le passage d'un fardeau qui est celui d'un roi à son futur successeur. Alors l'exposition tire à sa fin. Il est vrai que d'habitude, un catalogue d'exposition est publié au début de l'exposition, mais bon, pour des raisons diverses et variées, nous avons fait ça un peu différemment. Il se trouve que bientôt sera disponible un catalogue en trois langues présentant toute l'exposition, aussi bien les photos que les textes et les retranscriptions des entretiens avec le professeur Olivier de Bernon qui sont présentés ici en vidéo. Et donc le musée Sosoro mettra bientôt à disposition du public un très beau catalogue illustré en trois langues sur l'exposition. Et puis, comme nous allons retirer cette exposition, mais qu'elle a quand même eu un franc succès, et je suis très heureux personnellement d'avoir constaté qu'elle a attiré beaucoup, beaucoup, beaucoup de jeunes cambodgiens,
Plus de Cambodgiens que de Français d'ailleurs, mais donc nos amis français qui sont intéressés par le sujet pourront sans doute la découvrir sous une autre forme, peut-être virtuelle. Nous sommes en train de réfléchir à la façon dont nous pourrions maintenir cette exposition en vie au-delà du temps de sa présentation physique au public. Je rappelle donc que l'exposition est ouverte au public jusqu'au 31 juillet, qui sera le dernier jour de présentation, dans le cadre des horaires habituels du Musée Saussure, c'est-à-dire du mardi au dimanche inclus, de 9h à 17h30 pour le dernier visiteur. Et donc nous espérons accueillir encore beaucoup de monde jusqu'à l'ultime journée, l'ultime heure de présentation de l'exposition. Entrée par la rue 102 ou par la rue 106, aux conditions habituelles du Musée Saussure, excepté que l'exposition temporaire, elle, est gratuite, qu'il n'y a aucun frais d'accès pour l'exposition temporaire.